try to keep them separated. Alors, ça vous fait quoi? Alors moi j'écoutais pas à l'époque où il est parti du groupe Police et qu'il s'est lancé dans une carrière solo, mais donc à l'époque de Police, j'avais un baladeur, un Walkman, Sony, le même qu'on le voit dans Les Gardiens de la Galaxie, j'avais le même en auto-reverse, c'était ma fierté. J'adorais ce Walkman. Je regrette tellement de m'en être séparé. Je sais plus à quelle occasion je m'en suis séparé, mais quelle connerie. Bah là, une petite vidéo pour un achat cash et autres numéro 34. Il y a essentiellement du neuf. Il y a du Nose, du Amazon et du cash. Eh ouais, tout ça. Il y a 7 titres, donc déjà je vais vous présenter vite fait, je l'avais déjà présenté avec une autre chanson, donc le Music for Montserrat au Royal Albert Hall, je crois que j'avais montré le titre Hey Jude de Paul McCartney, avec toutes les stars, et là bon, là c'est Sting forcément, avec Message in a Bottle. Donc, comment vous expliquer? Par quoi je vais commencer? Je vais plutôt commencer par les les trois occasions que j'ai pris. Alors la première, c'est She's So Lovely avec Sean Penn, Robin Wright Penn. Hein, donc c'était l'époque où ils étaient mariés. Et au milieu de tout ça, John Travolta. Donc un film assez sympa, histoire d'amour qui tourne mal. Hein, ils aimaient bien faire ce genre de film à l'époque. Hein. C'est un peu la Sailor et Lula, Living Las Vegas, True Romance, etc. Excusez-moi. Eddie et Maureen auraient pu représenter le couple idéal, mariage, amour, bébé, mais l'instabilité d'Eddie rend leur amour dévorant. J'aime pas trop cette phrase. L'instabilité d'Eddie rend leur amour dévorant. Bof, bof. Pour la énième fois, il disparaît plusieurs jours et à son retour réagit violemment à l'agression dont Maureen a été victime en son absence. Franchement, bon, lu comme ça, soit je lis très mal ou le résumé est mal fait, mais franchement, c'est... ce que j'entrevois et à travers les lignes, à travers les photos et de mes souvenirs, je pense que c'est tout de même un bon film. Donc, She's So Lovely. Ensuite, j'ai pris... excusez-moi, donc... Highwaymen. Je l'avais en VHS et j'avais bien aimé un road movie, on va dire, qui tourne mal. Je dis pas à la Mad Max, mais plus à la Hitcher. Bah voilà, bah c'est le réalisateur de Hitcher, vous voyez. Donc réalisateur de Hitcher, de Cavale sans issue, une poursuite vertigineuse où vengeance, danger ou action et suspense s'allient pour mieux s'entrechoquer. L'affrontement entre Jim Caviezel, j'ai toujours du mal à prononcer son nom à lui, et Confred. Est totalement spectaculaire. Non, mais franchement, un peu à la Duel, enfin, vous voyez, ce genre de film, franchement, pas mal. Alors là, rien à voir, alors attention, on se calme, ce n'est pas un film pornographique ou voire érotique, non, c'est un film sérieux qui s'appelle Youth, Jeunesse, et vous apercevez, rien que ça, Michael Caine et Harvey Keitel. Franchement, l'histoire, moi, elle me branche bien. Elle me branche bien, j'ai dit. c'est pas vrai, quoi. Et donc, je disais... oui, ça m'a fait penser directement, en lisant l'histoire, même rien que dès le départ, en fait, en voyant la piscine, la belle jeune fille et un peu les personnes du troisième âge, à Cocoon, en fait, de Ron Howard. Hein. Franchement, ça m'a fait penser à ça. Alors, je sais pas du tout s'il y a un rapport. Mais en gros, donc, ce sont deux amis qui profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes.
Fred, compositeur et chef d'orchestre à la retraite, n'a aucune intention de revenir à sa carrière musicale, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours sans pressant de terminer le scénario de son dernier film. Contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe. Après le triomphe, nanana, est un diamant brut en scène, brut à la mise en scène flamboyante et au charme irrésistible. Mais je pense, ouais, qu'il y a une histoire de cure de jouvence ou je sais pas quoi. Bon, après, je l'ai pas vu le film, mais il me branchait bien, et il est assez récent, donc très content de l'avoir trouvé. Ensuite, j'avais commandé dans une offre Amazon, hein, je vous présenterai les autres plus tard. Là, j'avais envie de vous présenter celui-là, et puis c'est tout. Donc, c'était Planète Interdite. Petit coucou à Valentin des Associés du Diable, hein, parce que je sais qu'il est hyper fan de Leslie Nielsen, qu'on a l'habitude de voir dans les « Y a-t-il un flic ? Y a-t-il un exorciste ? Y a-t-il... Y a-t-il... Y a-t-il... » quoi. Bah là, c'est « Y a-t-il un super-héros pour sauver la planète ?» Donc, un film de science-fiction où, là, il est très jeune, hein, donc un film assez culte, hein, de SF, qui a l'air vraiment sympa. Déjà, il y a un côté kitsch à l'affiche qui est vraiment très... un peu comme la vieille affiche de La Guerre des Mondes. Enfin, de l'ancienne version, pas celle avec Tom Cruise. Et franchement, ouais, il me fait vraiment bien envie. Un chef-d'œuvre de la science-fiction précurseur sur bien des plans. Œuvre de référence, le Sinison, je le redis, commandant en cas. Enfin, voilà. Donc, en Blu-ray, rouge. Parce que j'ai dû le changer, si je ne m'abuse. Je pense pas qu'il était rouge à la base. Enfin, je sais plus. Et donc, je suis allé faire un petit tour chez Noz. Vous vous souvenez, j'avais acheté cette édition prestige de Hunger Games, La Révolte partie 1, qui contient plein de trucs, la bande originale, le fameux oiseau rieur... Le DVD, le Blu-ray, des photos du film, etc. Et je vous avais dit, je vous avais expliqué qu'il y avait La Révolte partie 2 dans la même édition prestige, hein, le même type de contenu, et que ça me faisait super envie, mais qu'il n'était pas au même prix. Alors j'ai fait un truc de ouf tout à l'heure. Il en restait un, donc je l'ai pris. Donc Hunger Games, La Révolte partie 2. Et j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi n'était-il pas au même prix que le premier ? Bah tout simplement parce qu'ils se sont vraiment engourés dans l'étiquetage. Parce que donc quand j'ai validé mon paiement et que j'ai eu le ticket entre les mains, et ben pour 19,90€, c'est pas Hunger Games qui apparaissait. C'était Walking Dead. Donc en fait, le code barre correspond à un coffret avec plusieurs saisons de Walking Dead. Donc je leur ai expliqué aux caissières un peu ce dont il s'agissait et que logiquement, d'après leur prix, il aurait dû être à 7,99€ aussi. Donc ils m'ont donné les démarches à suivre avec le service, on va dire, client de Noz. Je les ai demain au téléphone, donc je vous tiendrai au courant. Logiquement, ils sont censés me rembourser 12€. On va voir si je suis un bon négociateur ou pas. Alors... Les paris sont engagés. Est-ce qu'ils vont me le valider à 7,99€ comme la révolte partie 1, ou ils vont rester sur leur 19,90€? Franchement, je vous dirais, c'est pour le principe, parce que la finalité, je regrette pas, même s'il est un peu plus cher celui-là. Franchement, je suis hyper content d'avoir les deux. Ils sont vraiment, c'est des super beaux coffrets. Et franchement, même, je vais appuyer sur pause pour les ouvrir, parce qu'il faut vraiment demain, mais vous allez voir, même les films à l'intérieur sont vraiment jolis. Ouais, donc ça c'était le premier, hein, La Révolte partie 1. Donc bon, il est. En fait, le film est conforme à la boîte. Hein, donc il est composé comme ceci. Je sais plus si je l'avais ouvert. Hein, ouais, si je crois que je l'avais ouvert. Et donc là, c'est le partie 2, hein, qui est très joli aussi, avec là une présentation différente de la pochette extérieure. Hein. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et j'aime beaucoup, ça fait un peu à la Wyvert, version gonzesse et version rouge. Ouais, ils sont tous comme ça à l'intérieur en fait. Et donc ouais, franchement très joli, je regrette pas du tout, ça fait vraiment un très beau coffret. Et là, comme ça en plus, j'ai la saga complète, hein. Je vous avais montré que j'avais le Hunger Games, ensuite l'Embrasement et la Révolte partie 1 et partie 2, donc c'est très bien. Au moins c'est cohérent. Et vous l'apercevez, hein,
Je vous vois venir. Et oui, effectivement, en Oz, je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu, excusez-moi. Donc, pas mal de gens l'ont aussi. C'est le coffret collector de The Artist. J'ai bien aimé ce film-là, je l'ai vu il y a 3-4 mois, pas plus. C'est le coffret prestige, et pareil, donc là il était, comme vous le voyez, 7,99€. Donc je l'ai pris, franchement il est sympa. C'est pas le film de l'année, hein, contrairement à ces 6 César, 5 Oscars, 3 Golden Globes. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Sympa, sympa. C'est un peu la nostalgie récente, on va dire. Donc voilà, donc je vous ai présenté The Artist, je vous présente pas le contenu, hein, je pense que vous le connaissez tous. Hein. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dedans quand même, c'est assez impressionnant. Et donc La Revolt Hunger Games partie 2, hein, qui vient compléter la partie 1 et qui me fait que je les ai tous comme ça. Donc Le Planète Interdite avec Leslie Nielsen, Le Youth avec Michael Caine et Harvey Keitel, Le Highwayman avec Jim Caviezel, et le She's So Lovely avec Sean Penn, Robin Wright Penn et John Travolta. Voilà, c'était une petite vidéo toute tranquille de présentation des achats, on va dire, du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Félicitations à Benoît de passion Steelbook et technologie. Il me fait halluciner hein, quand même. Il est à son deuxième steelbook de Logan et je pense qu'il va en avoir un troisième. Si ça, c'est pas du collectionneur, si ça, c'est pas du fan de steelbook, franchement, je ne m'y connais pas. Respect, franchement, respect total. Et franchement, il trouve toujours des éditions de malades. Bon, bref, un petit coucou à Goldie, hein, je fais un gros bisou. Et puis à Raph aussi, hein, j'ai pas trop de nouvelles en ce moment. Ciao à tous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis un commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.